Bonjour, dans cette vidéo de bureautique, je vais vous parler du logiciel Microsoft Office Word 2007. Ici, je vais vous montrer comment vous pouvez insérer des zones de texte prédéfinies. Ouvrez donc un document Word et allez par le biais du clic gauche dans le menu Insertion, puis Zone de texte. Allez choisir un modèle, par exemple encadré mosaïque, et vous pouvez ici taper du texte. Par exemple, tapons formation. Si vous cliquez en dehors, vous verrez que vous pouvez taper votre texte normalement. Nous allons donc ici insérer une zone de texte par le biais du menu Insertion, Zone de texte. Dessinez une zone de texte et vous remarquez que le curseur se transforme en plus. En maintenant le clic gauche de la souris, vous allez tracer une zone de texte et vous pourrez ici utiliser les styles des zones de texte, mais aller plus avant en cliquant sur la flèche et autres, et par exemple choisir ce dégradé linéaire. Vous pourrez apporter des effets 3D en cliquant sur Effets 3D, puis encore une fois sur Effets 3D, et en choisissant par exemple un parallèle ici. Vous pouvez, si vous le désirez, modifier la forme en cliquant ici, et en prenant par exemple dans Organigramme Alternative. Si vous le désirez, vous avez la possibilité de remplir la forme avec une autre couleur et voir le changement s'opérer. Ainsi, vous pouvez choisir beaucoup de styles de mise en forme et voir le changement s'opérer. La formation est terminée, c'est à vous.